Et bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc parler d'une petite découverte que j'ai faite pendant les vacances. Une housse complètement waterproof qui peut accepter n'importe quel smartphone tournant sous Android ou iOS. On a la possibilité donc de descendre, vous allez bien entendre, jusqu'à 25 mètres sous l'eau, faire des photos, faire des vidéos. Vous allez voir le résultat tout à l'heure dans la piscine pour que vous puissiez voir la qualité de la housse. Cette housse, la Seawag, je vous mettrai le lien sous la vidéo du site web. Donc Seawag, vraiment une housse qui va vous permettre de protéger complètement votre iPhone contre l'eau, les poussières, la neige, le sable. Enfin, une fois votre smartphone mis dans cette housse, il est complètement hermétique à l'extérieur. Alors, comme vous voyez, j'ai un iPhone 6 Plus. Je l'ai testé avec l'iPhone 6 Plus et ça fonctionne parfaitement bien. On va faire ensemble le déballage de la housse. Donc, je vous montre un peu l'emballage. Vous voyez comment il est fait. Vraiment une housse très sympa. Elle est de plusieurs couleurs. On peut la voir en bleu, en rose. On peut la voir en rouge ici. Moi, je l'ai pris de couleur bleue. Donc, lorsqu'on ouvre, en fait, le clapet, ici, on ouvre un clapet. On a accès de suite à une photo d'un téléphone immergé sous l'eau, ici. On va sortir donc ensemble la housse. Alors, comme d'habitude, ici, on a une notice. On a le droit aussi à une dragonne. Une dragonne qui va permettre de mettre notre smartphone au cou et, lors de la plongée, de posséder, donc d'avoir la possibilité de l'avoir bien accroché à soi. Alors, la dragonne, voilà. Alors, ici, au niveau des attaches, vous voyez, donc ici, le côté hermétique vient du haut de la housse. On a deux petits clapets qu'on pousse de chaque côté à droite et à gauche. Vous allez donc voir, lorsqu'on pousse les clapets, ce qui se passe. On a ici un premier clapet qui s'ouvre et ici, le second qui s'ouvre. Donc vous voyez ici les deux clapets. Lorsqu'on ouvre la housse, voilà ce qui arrive. Donc sans aucun souci, on va pouvoir donc glisser notre smartphone à l'intérieur. Une fois notre smartphone complètement inséré, on va avoir donc, il va falloir faire très attention. Ici, ces deux dents vont devoir rentrer correctement dans leur emplacement. Ici, je vous fais montrer comment on les re-rentre. Enfin, il faut bien qu'on les voit de chaque côté à l'extérieur, comme vous voyez ici. Et on va les repousser pour reclipser correctement la housse. Alors, elle est très très simple d'utilisation. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de complications. Donc, je vais vous montrer une fois le smartphone glissé à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, hop, on pousse. On pousse et on ouvre. Ici, on va glisser la housse à l'intérieur. Vous voyez, ça rentre pile poil pour un iPhone 6. Ici, on remet les deux petites dents nécessaires à rendre complètement hermétique la housse. Vous voyez ici, hop, elle est fermée. Je clipse. Ici derrière, vous voyez, c'est bien, puisque au toucher, on sent bien, c'est bien lisse. Alors, ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez à la piscine, lorsque vous allez à la mer, vous allez pouvoir mettre votre smartphone à l'intérieur de cette housse. Il est complètement protégé. C'est vraiment idéal. Alors, pour la Dragon, très simplement, ici en haut, on a le clips. Une fois mis, vous voyez, donc sans aucun souci, le smartphone est en plus complètement accessible. Vous allez voir. L'avantage de cette housse, c'est que le smartphone reste complètement accessible. Donc là, pour le code, alors l'avantage, donc, c'est que une fois même dans la housse, on va pouvoir, regardez, sans problème, on a accès
auto-tactile. Ça veut dire que même une fois dans l'eau, on va pouvoir téléphoner, on va pouvoir se servir des applications. Et si je déclenche VoiceOver, vous allez entendre. VoiceOver activé. Message. Page de sauvegarde. Doc. Safari. Mail. Musique. App Store. Donc sans aucun problème, même à l'intérieur de la housse, on a accès au téléphone complètement. Donc vous voyez, c'est vraiment au niveau fluidité, le téléphone fonctionne correctement. Si on lance la caméra ici, vous allez voir. Je peux donc me mettre en mode caméra sans aucun problème. Et maintenant, regardez, vraiment, une fois le téléphone enfermé, complètement hermétique, on peut s'en servir sans aucun souci. Voilà. Et maintenant, on va aller tester ceci dans la piscine et vérifier si notre smartphone ne va pas se mouiller. Mais rien que pour vous, je vais le tester. À tout de suite dans la piscine. Alors voilà les amis, donc on est dans la piscine. Je vais aller sous l'eau et on va filmer. Et voyons voir ce que ça nous donne comme image sous l'eau. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je fais ça pour vous. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je mettrai le lien du site web pour cette housse sous la vidéo. Donc c'est parti, on va sous l'eau, on va filmer. Un peu froide là. Allez, c'est parti. On y va. On va sous l'eau. Mise au point déverrouillée. Image. Viseur. Mise au point déverrouillée. Viseur. Mise au point déverrouillée. Image. Viseur. Mise au point déverrouillée. Image. Un visage, zéro visage. Viseur. Mise au point déverrouillé. Image. Un visage, grand visage, zéro visage. Un visage, grand visage, visage près du bord inférieur droit. Zéro visage. Viseur. Mise au point déverrouillé. Image. Zéro visage. Allez, on y repart. C'est parti, sous l'eau. On est avec l'iPhone, sans problème, sous la piscine. On va faire un autre plongeon. Donc cette housse s'appelle Brassywag. Vous avez votre iPhone dans l'eau, sous l'eau, vous pouvez faire des photos, les vidéos. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne
pour les prochaines aventures. Allez, salut, à bientôt.